Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope pour l'année 2022 pour les lions en signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir le signe de votre cher et tendre et vos signes correspondants. Je le rappelle, c'est une guidance générale, globale pour voir les énergies principales pour 2022. Allez, on va commencer donc avec le petit oracle des guidances étoilées. Un grand merci pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Alors, les lions, on vous parle de Dame Nature. Cette grande dame verte est là pour nous, près de nous. Tour à tour, elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors prends soin d'elle comme tu le ferais avec une mère qui t'a aimé et chéri. On vous dit de vous rapprocher de la nature, de prendre soin d'elle, et peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir un déclic comme quoi en fait, vous voulez travailler avec la terre, travailler avec la nature. On va prendre un message de l'oracle des énergies lumineuses Lion 2022. On vous parle du respect. Vous allez avoir envie de déjà de vous respecter vous-même et que l'on vous respecte. Besoin de personnes fiables, de personnes honnêtes. Il va y avoir ouais, un grand, grand besoin d'honnêteté, de respect pour les personnes, de respect pour tout ce qui vous entoure. Donc peut-être que pour certains, là, vous allez aller vers des missions humanitaires, hein. On va prendre un message de l'oracle The Venice Witch. Alors, votre énergie principale, ça va être l'amour. L'amour... Bien, de la terre, l'amour de vous-même, l'amour des autres. Besoin de se rapprocher des personnes qui comptent réellement pour vous. Besoin de mettre de l'amour dans tout ce que vous allez entreprendre en 2022. Et tout ça avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'authenticité. On va prendre une carte de l'oracle à haute vibration. Ça va être une année également de choix, de décisions importantes. Bon, et peut-être même de la rencontre avec votre moitié. Hein, puisque là, on vous dit bien que votre énergie principale, ça va être l'amour. Donc, il va y avoir de l'amour dans l'air et on vous parle d'une relation à haute fréquence. Donc, les lions, bien, j'ai envie de vous dire, ça va être une année décisive au niveau sentimental pour vous. Et en dos de deck, on vous dit l'abondance vous appelle. On va prendre un message des portes de l'intuition. Lion 2022. On vous parle des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. On vous dit que là, l'univers va vous donner un coup de pouce en 2022, peu importe vos projets. Donc, soyez vraiment à l'écoute des signes. Ça peut être au travers de différents messages, ça peut être également au travers de
personnes, peut-être même de nouvelles rencontres, qui vont vous aider à réaliser vos rêves, à aller vers la bonne direction. Et pour certains, on vous dit que justement, vous allez lâcher du lest et que vous allez accepter de recevoir de l'aide extérieure, peut-être justement pour avoir plus de temps pour vous au niveau professionnel, donc, et même personnel. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. On ne peut pas être sur tous les fronts, c'est pas possible. On va prendre quelques cartes de l'oracle E. Bélier 2022. Alors, wow. Bon, on vous dit, ça va vibrer haut et fort pour vous en 2022. Voilà, on me dit même, faites attention à votre petit cœur parce que ça va être une année très très intense au niveau des réalisations personnelles, hein, mais surtout au niveau sentimental. Puisqu'on vous parle d'énergie solaire, vous êtes un signe de feu, donc oui, un besoin de rayonner, un besoin de vibrer l'amour, de vibrer le respect. Vous allez également vous montrer combatif pour ce que vous voulez, pour ce qui vous passionne dans la vie. Et on vous dit, ouvrez vos cadeaux. Donc, bah écoutez, ça va être une année très, très riche, très haute en couleurs. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle du monde. Bon, on vous parle également d'amélioration des finances, de richesse. Au niveau de l'amitié, vous pourriez faire des très belles rencontres amicales. On vous dit également que vous allez avoir vraiment besoin de vous rapprocher et d'exprimer tout l'amour que vous ressentez pour vos proches également. Les relations vont avoir vraiment vont être très importantes pour vous les lions. On vous parle de révélation, de vérité. Donc ça peut être, oui, des relations à haute fréquence. Également des nouvelles idées, des nouveaux projets. Ça va beaucoup, beaucoup bouger. Vous allez vous sentir pousser des ailes puisqu'on a la carte de la protection. C'est comme si en fait tout ce que vous alliez entreprendre, tout va vous réussir. Allez, on va voir maintenant toujours au niveau général avec l'oracle Mo'o. Alors, on vous dit quand même attention au piège peut-être de l'ego. Je pense que vous allez attirer beaucoup de personnes, tellement vous allez envoyer du lourd hein, en 2022. Donc, prêtez attention quand même aux nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Attention à, oui, à ne pas vous laisser emporter par l'ego, par la réussite, parce que vraiment tout ce que vous allez entreprendre va vous réussir. Alors, on vous parle du silence. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, là, pour certains d'entre vous, il va falloir sortir du silence et vous exprimer parce que ça pourrait également provoquer des blocages. Il va falloir vous exprimer. Bon, on vous parle de bénédiction divine, là encore, d'abondance, de cadeaux, de mouvement, d'ascension vers le supérieur. Vraiment, vous allez vous sentir pousser des ailes. Hein. Mais quand même, attention à...
ne pas rentrer, à ne pas vous tourner vers l'égocentrisme. Attention quand même, parce que il y aura des personnes qui vont vous jalouser quand même, hein, de par votre réussite. On vous dit la communication va être très importante. Il va falloir communiquer clairement, spontanément. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental avec l'oracle du tarot universel de l'amour pour les lions. Bon, on vous parle de paradis sur terre. Ça va être une année où en fait tout est possible. Et oui, on va vous demander vraiment d'être dans l'ouverture du cœur, de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à tous les champs des possibles. C'est comme si ça allait être une année nos limites. Puisqu'on vous parle d'émergence, c'est comme s'il y avait un nouveau vous qui était là en train de naître. On vous dit qu'il va falloir quand même prendre soin de vous parce que ça va être une année très mouvementée. Donc il va vraiment falloir prendre soin de vous. Bon, et en dodo deck, j'ai encore la carte des bénédictions. C'est juste dingue. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle magique du cœur pour les lions. Alors, on vous parle d'une séparation. Alors, ça peut être également une très belle guérison, puisqu'on vous dit que vous allez vous ouvrir de nouveau à l'amour. Vous allez de nouveau faire confiance. Oui, puisqu'on vous parle de lâcher prise. Pour certains, il y a une très belle guérison, hein, sur une relation que vous avez eu du mal à oublier. Hein. Tourner la page vous a été compliqué. Mais on vous dit bien que là, vous allez y arriver. Du coup, vous allez vous sentir dans de très belles énergies, revitalisées. Vous allez ouvrir votre cœur, de nouveau être apte à faire confiance. On vous dit d'avoir confiance en vous et en la vie. Ouais, c'est comme si vous alliez enfin vous libérer d'une relation toxique, hein, qui vous a empoisonné la vie. Hein. Bon, on vous dit bien que cette année, vous êtes protégé, que vous êtes entouré d'amour, que vous allez faire des rencontres sincères. On vous parle de beaucoup de séduction, de beaucoup de charme. Vous allez vraiment être dans des énergies très solaires, les lions. Et on vous parle de changement, d'une profonde transformation en vous et dans votre vie. Bon, non, mais là encore, bénédiction. bon, ben écoutez, moi à votre place, hein, j'ouvrirai un cahier. Parce que les cadeaux, ça va pleuvoir. Hein. Allez, on va prendre un message du petit oracle des anges pour les lions. Bon, une année de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Mais c'est vraiment ça, hein. L'abondance et l'amour vous tendent les bras, hein, en 2022. Et on va terminer par quelques cartes de l'oracle Divin Ange pour les lions pour cette année 2022. Quel autre message?
On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous mettre en joie. Allez, on va en prendre une deuxième pour terminer.